Allez, 5 minutes de pause et vous me refaites 500 tours de terrain. Encore ? Ah, fais chier. Je veux mourir. Alors les experts de la fuite, on est fatigués ? Bon toi là, j'ai des informations à te donner sur les présidents de l'enfer. Quoi, on va faire ça là, maintenant ? Ça te pose un problème ? Non monsieur. Bon, commençons par Kane. On le surnomme le sophiste des enfers. Il est capable d'influencer et de manipuler n'importe qui juste avec les mots. Ouais, c'est un vrai moulin à paroles. Kane, à la tête de 30 légions et qui donne le pouvoir de la compréhension des animaux. Seulement le langage des oiseaux, des chiens et des bœufs. Il peut également comprendre le bruit de l'eau. Comme Pricel ? C'est ça. On peut pas vraiment dire qu'ils s'apprécient beaucoup tous les deux. Ils sont d'éléments contraires. Elle est liée à l'eau, et lui au feu. Exact. Il apparaît dans un grand brasier, sous l'apparence d'un merle portant une épée. Sous sa forme humaine, il est coiffé d'une aigrette et porte une queue de paon. N'oublie pas son pote. Ami ? Ça te fait rire, hein ? Faites-moi ça sans abdos ! Bah bravo ! Je suis désolé, elle était bonne ma blague. Alors déjà c'est pas Ami, c'est Amy. Mais sinon oui, c'est un démon de feu qui apparaît sous la forme d'un brasier. À la tête de 36 légions. Tu connais le nombre de légions de tout le monde, toi ? Je suis assez doué avec les chiffres. Amy enseigne l'astrologie, les arts libéraux et fournit des familiers. Je me demandais, les familiers que les démons donnent aux humains peuvent aider leur maître au combat ? Ouais, ceux d'Emi, c'est des petites flamèches et ils détruisent tout sur leur passage. Ah, stylé ! J'aimerais bien en avoir. Comment on fait ? T'es prêt à vendre ton âme ? Non. Ok, ben, oublie alors. Allez, 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 c'est mou tout ça, plus fort ! Bon, il m'en reste un dernier à vous présenter. Malphas, le président architecte et bâtisseur des enfers. Et laissez-moi deviner, je parie qu'il construit des forteresses imprenables, c'est ça ? En effet, et il peut aussi enseigner comment les construire et donne des familiers pour les y aider. Ouais mais en contrepartie, les forteresses tiennent pas vraiment très longtemps. Comment ça, des forteresses imprenables qui tiennent pas ? C'est pas logique. Bah si, elles restent imprenables pendant une heure. Ça reste pratique, surtout pour attendre du renfort. Mais ça, c'est que pour les humains. En enfer, ses pouvoirs sont décuplés. Ce qui fait que ses constructions sont indestructibles. Et n'oublie pas qu'il est capable de détruire la volonté de ses ennemis, ainsi que leur base. Au fait, ressemble à quoi, Malphas ? À un corbeau avec une voix rauque. C'est tout ? Non, tu peux pas le manquer. Il ne quitte jamais sa fidèle truelle. Bon allez, c'est bon pour aujourd'hui. Rendez-vous demain 5h pour une nouvelle séance.